Et salut à tous, c'est Ultima. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur le Piku Xala. Alors, je dis pas que je vous présente un build puisque c'est un build que je vous ai déjà présenté. Simplement, quand je vous l'avais présenté, je vous ai présenté sur un combat plus simple. Et là, je voudrais vous montrer que Piku Xala, même si c'est compliqué, peut réussir à gérer de la broche niveau 120. Je pense que c'est un perso qui est vraiment en difficulté aujourd'hui pour faire du contenu haut niveau. Pour la simple et bonne raison que c'est un perso qui se joue attaque, qui n'a pas d'outils de sustain, pas de heal, pas de shield dans le kit, pas de moyen d'en avoir. Il a une TP qui peut le faire soigner, il a un accès à cicatrisor qui est ok, mais là où on a pas mal de classes attaque qui ont accès à du drain, qui ont accès à du soin, qui ont accès à de l'armure, ce n'est pas du tout le cas de Piku Xala, donc on va uniquement compter sur sa mobilité. Voilà, donc pour présenter le build, on joue avec l'efficacité Piku Xala, puisqu'on va chercher à jouer en général 2 voire 3 TP par tour. Un tour, on va même réussir à faire 4 TP par tour. Et sinon, avec la puissance Piku Xala pour essayer de clear l'adversaire qui a également le moins de vie pour faire de l'espace sur la map. Vous allez voir que c'est très important d'avoir de l'espace sur la map. On ne joue pas avec les TP qui nous font revenir en début de tour, on va voir que c'est contre-productif par rapport au build qu'on cherche, enfin à la façon de jouer qu'on cherche à avoir, et on investit tout en attaque, rien en PV. Alors on a quand même 1300 PV de base, mais en fait nos PV max n'importent peu, puisqu'on va se lancer en réalité dans un combat très long, et ce qui va importer, c'est le soin apporté par le cicatrisor à chaque tour. Le but de ce deck, c'est de finir tous les tours sans pouvoir prendre de corps à corps adverse. Donc, je vous préviens tout de suite, ce n'est pas un build qui fonctionne sur toutes les maps. Il y a des maps où ce n'est pas possible de faire ça. Là, je vais vous montrer une map sur laquelle c'est possible, mais il y a des maps où ça ne marche pas, où ce build n'est pas viable. En aucun cas, c'est un build qui est capable de clear tout le contenu du jeu. Là, je vous préviens d'avance. Et on va quand même partir sur un combat qui est assez long dans tous les cas. Donc, voilà, je tiens à dire que Piku Xala n'est certainement pas... broken, elle n'est même pas viable, il y a juste une, enfin pour moi cette façon de la jouer qui permet de clear du contenu endgame. Voilà. Niveau des anneaux, donc cicatrisor est obligatoire, puisque vu que vous n'allez pas prendre de corps à corps, vous allez seulement prendre les spells adverses, sauf que bah, sur des combats longs, les spells peuvent suffire à vous tuer, et en fait cicatrisor va vous apporter énormément de value tour par tour. On prend également l'anneau Rigan, puisque comme je vous l'ai dit, on va jouer 2, 3, voire 4 TP par tour, on va avoir besoin de pioche. Donc l'anneau Rigan, sachant qu'on a 30% de crit, permet quand même un raisonnable petit, une chance sur 3, de piocher un sort en plus à chaque tour. Oui, parce qu'à chaque tour, on va quand même mettre notre auto-attaque, même si on prend pas de corps à corps. Et enfin, le reste, c'est des dégâts. Voilà. Les deux là, donc ça, c'est des dégâts en combat. C'est le seul anneau qu'on a qui fait ça, donc c'est assez value. Et l'anneau des âmes qui donne un peu de tout. Du crit, des HP, de l'attaque de héros, voilà. Tout ce qu'on veut. Le papy brassard obligatoire dans ce deck, puisqu'on veut de la mobilité, on veut des dégâts en plus, donc il remplit tout ça, sachant que son spell va coûter 0 grâce à notre passif. Au niveau des compagnons, 3 compagnons de pioche, dont un qui fait TP, et 2 qui sont réinvocables. Alors en général, Gruffon, on va pas le réinvoquer, parce qu'il a besoin de 3 jauges haut et on en génère qu'une seule. Mais par contre, le champion croulant, on va quasiment le jouer 2 fois à chaque combat. Et enfin, la dernière, Alchimiste Armurée, c'est la seule qui rentre dans les jauges, qui a un réel intérêt. Vous allez voir, si vous jouez beaucoup le deck, que vous allez légèrement overkill, enfin légèrement, vous allez overkill votre jauge feu. Donc pour rentabiliser la jauge feu, il n'y a pas énormément de candidats qui puissent être intéressants. Il y a César qui va booster le temps d'un tour votre attaque, d'accord, de 20%. Vous avez Julith pour piocher, le problème c'est qu'elle coûte 7, et en général quand elle sort, le combat est pas loin d'être terminé. Donc éventuellement Julith à la place de l'alchimiste armuré, mais bon, en ce qui me concerne, j'ai préféré l'alchimiste pour son bouclier qui peut être clutch à un moment. Et au niveau des spells, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 TP, on ne va jouer que des TP dans le deck. Le tour, donc en général on va jouer, donc les TP à 4 que vous voyez ici vont devenir des TP à 3, donc on va en jouer 2 dans le tour, plus notre passif 3 TP. Quand on va jouer ces TP là, on va les jouer seul plus le brassard, pardon, j'ai dit le passif, le brassard, 2 TP, et on va jouer les 3 spells là dans le même tour, parce que celui-ci va coûter 2, celui-ci va coûter 1, dans le même tour, plus le brassard, ça fait 4 TP dans le tour. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de pioche. Il n'y a que 2 tours où on joue un spell, les autres, le reste du temps on joue plus de spells. Voilà. Donc je redis, c'est un build qui est difficile à mettre en place, mais si les conditions sont réunies, qui est capable de clear du contenu 120. Donc si votre dada c'est Piku Xala, ce build
peut être fait pour vous si vous voulez absolument essayer de clear du contenu endgame. Voilà. On va voir ce que ça donne face à la broche vampire niveau 120, c'est parti. Moi, c'est lui que je veux viser, mais je sais pas si j'y vais dès le T1. Sachant que là... Ouais, c'est lui qui prendrait le passif. En tout cas, je peux pas taper. Donc, il faut quand même que je fasse un truc comme ça. Je veux frapper lui en premier. Ok, ça, c'est assez cool. Je veux frapper lui en premier parce que c'est le seul qui a de la distance. Alors faut que je fasse gaffe à lui, à elle. Très bien. Donc c'est le seul qui a de la distance. Je veux pas qu'il... En fait, c'est le seul qui pourra me toucher, m'atteindre. Donc je veux le supprimer en premier pour être beaucoup plus safe en termes de HP après. Donc là je peux le frapper et je peux faire les deux là après, c'est pas mal. Très bien. Il faut que je fasse... Ah non, je peux le pousser après ça. Ok, il va mourir, ça c'est assez cool. Voilà, donc c'est bien, on l'a tué très rapidement. On est toujours full life pour l'instant. Ok, elle fait, commence seulement à faire les spells sur moi. 170, et le cicatrisor va aider. Et j'ai la TP de soin si besoin. Et là, on peut commencer tranquillement à taper sur le boss. Donc bien sûr, on invoque qu'en cas de nécessité. La nécessité, c'est soit apporter un body pour, enfin, un compagnon pour body block. Ça peut être pour de la pioche si on n'a pas réussi à crit. Ça peut être échanger avec le champion courant. Voilà. Quand il n'y a pas besoin, pas de panique. Alors j'aurais tendance à dire qu'il faut que je cycle sur l'harmonie dès que je peux. Mais là, en fait, je suis full life. Donc ça m'embête un peu. Si je fais ça, c'est pas bon. Bon, je vais quand même faire l'harmonie, tant pis. Je préfère plutôt que de prendre des corps à corps gratuits. Et je veux pas gâcher ça sans le spell éther qui permet de le replacer. Ok, bon là ils me font des dégâts, c'est là que j'aurais bien aimé voir l'harmonie, tant pis. Alors là, le placement va vraiment pas être évident. Je vais peut-être devoir utiliser le champion. Parce qu'il me manque un spell. Donc je voudrais placer le scalpel de manière à ce qu'il puisse pas l'atteindre. Et ça fait qu'en fait ils vont mettre leur spell dessus, donc moi ça va indirectement me faire gagner. Ah bah non, je pensais qu'ils allaient faire leur spell dessus. Donc ils cherchent pas à gérer le scalpel. Bon, on va voir si ça reste souvent comme ça. Là je peux faire ces trois spells là pour aller au bout du monde, si je veux. Alors je vais faire ça pour enlever Assoiffée. Alors après ça va faire traverser lui mais c'est pas grave. Comme ça elle va pas sustain sur le labo. Sur le Sinistro pardon. Donc lui va mourir. Il
Elle avait quand même réassoiffé, donc mauvais calcul de ma part. Ok, ça c'est pas mal. Donc on peut déjà ressortir le champion si on veut. Voyez qu'on est toujours presque full life. Le cicatrisor fait vraiment son job. Alors ça m'embête de mettre mon corps à corps sur elle. Bon après j'ai pas beaucoup de pertes de dégâts en vrai ça. Mon placement par contre il est moins évident. Là je vais peut-être devoir ressortir à nouveau le champion. Alors le crit qui a peut-être changé la donne. Alors, je suis full life donc non pas tant que ça. Là, je peux le soit enlever de la soifée, soit aller me mettre dans le coin. Je vais plutôt me mettre dans le coin. Et moi, je suis safe. Toujours full life. Donc, lui, sustain un peu. Ça va, ça va. Elle est passée à 3 KHP parce que je la surveille pas depuis tout à l'heure. Mais depuis tout à l'heure, elle prend la moitié de mon passif quand même. C'est pas négligeable. Et voilà, petit à petit, on s'en sort. On fait un peu d'espace sur la map. On invoque quand besoin. Vous voyez qu'on a de la jauge. Nous manque un peu de jauge R, ça tombe bien, on a des spells R en main. Là, le placement. Le placement va être compliqué là. Faut que j'aille ici. Le problème, c'est qu'il me manque un spell pour faire ça. Spell que voici. Alors je peux pas aller là. Je peux pas aller là. Ouais, donc il va falloir que j'utilise ça. Et voilà, donc il va quand même pouvoir sustain sur lui, mais pas sur moi. Moi, je prends pas les dégâts. Là, je peux tout simplement taper comme ça. Alors, je vais faire ça. Et vu que ma main est vide, je vais sortir épinette. Ouais. Toujours full life. Donc ça fait un combat long, hein, c'est sûr. Voilà, Pikuxala, c'est pas, on n'a pas un très très gros, très très grosse source de dommages. Je vais la laisser ici pour obliger l'IA à vraiment commit sur elle et me laisser encore plus d'espace. Donc là, cette fois, l'IA fait des spells sur elle parce qu'elle veut le kill. Voilà. Et moi, je suis toujours full life. Donc là-dessus, c'est vraiment agréable. On va juste se mettre là. On va pas le faire jump lui. Ici, je peux prendre le kill. Là, j'ai de quoi. Ouais, là, ce qui m'embête, c'est qu'en général, pour faire ça, j'aime bien avoir l'autre spell.
Ben voilà. Après, j'aurais pu faire ça, invoquer Gruffon et j'aurais pioché dans tous les cas. Donc, tout va bien. Ok, elle va sur le Sinistro, elle. C'est particulier, lui aussi. Je vais taper mon Sinistro, je pense. Ou alors je fais ça et je pioche avec Gruffon. Peut-être une solution. Voilà, parfait. Toujours full life. Je sais pas si je peux avoir le létal sur ce tour, il y a moyen. Et voilà. Donc on finit le combat full life, mais c'est un peu le principe du build. De réussir à tenir le rythme grâce à notre mobilité et non grâce à nos HP ou à nos shields ou à nos soins. Et ça marche que sur certaines maps. C'est ce qui fait que Pikuxala est encore jouable, mais voilà, ça fait un combat de 11 minutes 20. Alors même en optimisant un peu, je pense que je peux descendre sur 10 minutes, mais ça reste pas une...